Bonjour et merci de votre fidélité à Al-Oula. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres de l'actualité de cette journée. Le chantier royal de généralisation de la protection sociale est qualifié par un magazine électronique de référence au plan international de miracle marocain en pleine pandémie. La concrétisation de ce chantier est déjà en marche. Nous verrons notamment l'exemple de la mise en œuvre de la CPU à Casablanca. Le transport touristique est sous perfusion, voire en agonie, en raison de la persistance de la crise sanitaire du Covid et son impact direct sur une filière qui se révèle très très fragile. Nous écouterons les témoignages des professionnels à Marrakech. Et puis au seuil de ma mémoire, c'est le titre du premier recueil de poèmes que publie une enseignante de français à la retraite. Reportage en fin de journal. Nous ouvrons ce journal avec un nouvel éclairage sur ce grand chantier royal de généralisation de la protection sociale dont se font écho de nombreuses publications de presse au plan international. Qaïs Mohsin, Mohamed Etelchkar. Un vrai challenge en temps de pandémie de Covid-19. La presse internationale s'attarde à la fois sur le timing du chantier royal, mais aussi sur l'envergure de ce que Slide.fr, par exemple, qualifie de réforme structurelle visant à étendre la couverture sociale à l'ensemble de la population qui en était jusque-là exclue, soit 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. Slate.fr, qui est un magazine en ligne de référence internationale, explique, et je le cite, « ce miracle marocain par le fait que le Maroc dispose, à la différence de ses voisins du Maghreb, d'une base économique dynamique et diversifiée ». Slate.fr détaille les quatre étapes de mise en œuvre du chantier royal, quatre étapes qui s'étendent sur cinq ans, en quatre temps, à travers des lois cadres qui permettront dans un premier temps, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire de base aux 11 millions de bénéficiaires de l'assurance médicale RAMED, puis aux 11 millions des travailleurs non salariés, soit au total 22 millions de bénéficiaires supplémentaires. La deuxième étape en 2023 et en 2024 visera la généralisation des allocations familiales. La troisième en 2025, l'extension du régime de retraite et puis de l'indemnité pour perte d'emploi. La CPU, ou Contribution Professionnelle Unique, c'est l'une des composantes principales du chantier d'envergure de généralisation de la couverture sociale. À Casablanca, notre équipe est allée à la rencontre de commerçants qui, grâce à cette CPU, bénéficient désormais, eux et les membres de leur famille, de la couverture médicale obligatoire. Bouchaïb Ammari, Abdelrahman Ziyane, Mariam El-Messi. Dans son atelier de menuiserie à Casablanca, Omar El-Behja planche activement sur ses commandes. Comme tous les professionnels concernés par la contribution professionnelle unique, ce menuisier a déjà fait une déclaration de ses revenus. Il est désormais éligible à l'assurance maladie obligatoire. Je commence à avancer en âge, je risque de tomber malade. Avant d'être assuré, je prenais en charge la totalité de mes prestations de santé. Aujourd'hui, j'ai droit à une couverture sociale qui me protège et avec moi, ma femme et mes enfants. Le satisfecit est unanime chez ces travailleurs indépendants, soulagés d'apprendre tous les avantages que leur offre le nouveau régime fiscal. C'est la concrétisation d'un rêve que nous caressons depuis de nombreuses années. Ce nouveau régime va nous prémunir contre les aléas de la vie. Si vous n'avez pas encore accompli vos démarches d'immatriculation, vous pouvez compter sur les services de ce centre mis en place par la CNSS. 120 agents y sont mobilisés pour traiter vos demandes d'affiliation. Nous avons entamé l'opération d'immatriculation le 19 de ce mois. La cadence des affiliations s'accélère au fil des jours. Cela augure d'un succès prometteur pour ce chantier. J'invite les professionnels concernés à s'activer davantage, finaliser leur adhésion et déclarer leur famille pour pouvoir bénéficier de leurs droits à la couverture médicale. <t'->
22 millions de personnes supplémentaires devront d'ici la fin de 2022 être intégrées à la caisse. Un chantier titanesque qui ouvre la voie à des réformes sociales de fond. Puis deux projets de loi concernant la couverture sociale ont été adoptés hier en Conseil de gouvernement. Le premier porte sur le régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les professionnels, les travailleurs indépendants et les non-salariés exerçant une activité libérale. Le deuxième est relatif à la mise en place d'un régime de pension pour les catégories justement des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non-salariées exerçant une activité libérale. Sans transition, le bulletin quotidien de l'opération de vaccination et de la situation épidémiologique. À la date d'hier 16h, le total des personnes vaccinées avec la première dose s'élève à 4 985 094 personnes. Les personnes qui ont été complètement vaccinées, première et deuxième dose, sont au nombre de 4 254 879. Pour ce qui est de l'évolution des principaux indicateurs, jusqu'à hier 16h, 421 nouveaux cas confirmés, 522 nouvelles guérisons. Nous déplorons 5 nouveaux décès, 343 cas sévères ou critiques, parmi eux 13 personnes intubées. Et puis l'opération nationale de vaccination a amené à atteindre sa vitesse de croisière avec l'élargissement des catégories des bénéficiaires. Depuis mercredi, l'affluence est grande des personnes âgées entre 55 et 60 ans vers les centres de vaccination dans les quatre coins du royaume. L'opération de tous les espoirs se déroule comme à son départ dans d'excellentes conditions. Exemple à Casablanca avec ce reportage signé Dominique Orlando. Ces images ont été tournées hier matin dans l'un des centres de vaccination du Grand Casablanca, depuis peu également ouvert à la population ayant un âge compris entre 55 et 60 ans, soit des hommes et des femmes plus jeunes que la population cible précédente. La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 continue donc dans tous les établissements qu'a mis au point le ministère de la Santé. C'est vrai que la cadence avait légèrement baissé ces dernières semaines, mais avec l'arrivage d'un nouveau lot du vaccin Sinopharm émanant de la Chine et l'élargissement de la population cible à entre 55 et 60 ans, donc c'est une bonne chose. Les gens, bien sûr, adhèrent, s'inscrivent en envoyant un SMS au 1717 ou sur le portail électronique www.irakonla.ma. Ils sont contents exactement de la baisse de tranche d'âge et attendent leur tour avec impatience. C'est le cas de Madame Rabira Seddouk, également présente ce matin-là au centre de vaccination situé tout proche de l'hôpital régional Moulay Youssef, qui fut le tout premier à enregistrer l'admission d'un patient Covid au Maroc. Comme tout le monde, je suis impatiente de le faire. Hein, parce que toute la famille, ils ont fait le vaccin, je suis obligée de le faire. Je suis venue aujourd'hui, mais je n'ai pas de la chance parce que je suis sous traitement d'antibiotiques, je ne peux pas le faire. Et qu'est-ce qu'on vous a proposé ? On m'a proposé de le faire après la fête. C'est-à-dire que quand je termine mon traitement, je peux le refaire. Vous êtes un peu déçue ? Non, je ne suis pas déçue parce que je vais le refaire. Pourquoi je vais... Et moi, je vous remercie. Portez-vous bien là-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis le Maroc, sachez-le, a réceptionné le nouveau lot de 500 000 doses. Le lot est arrivé ce matin à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Une nouvelle livraison de vaccins Sinopharm. Cette opération de vaccination marquera une pause. Demain, samedi, 1er mai oblige. Les rendez-vous programmés pour demain seront reportés à lundi prochain. Les citoyens concernés recevront un SMS pour les informer du nouveau rendez-vous de vaccination. Et la pandémie a mis à genoux le secteur du transport touristique, une activité qui faisait vivre de nombreuses familles à Marrakech.
Aujourd'hui, les professionnels du secteur affichent grise mine après un arrêt forcé de travail de plus d'un an. Ils attendent urgemment des solutions à leur malheur. Reportage Soumia Belayachi, Mohamed Hassan Mskour. Le commentaire est de Nissine Hamdaoui. Sale temps pour les professionnels du transport touristique. La pandémie a mis à l'arrêt leur activité. Le cœur serré, ces trois compagnons d'infortune s'enquièrent de l'état d'une centaine de véhicules immobilisés dans ce parking il y a une année et demie. Difficile pour eux de redémarrer à l'heure où le tourisme peine à se redresser. Tous ces véhicules garés dans ce parking ont payé un lourd tribut à la pandémie. Ils sont dans un pitoyable état. Le soleil et la poussière leur ont asséné un coup de vieux. Même les pneus ont été endommagés. Le jour où l'on décidera de faire redémarrer les grands bus, on sera obligé de débourser 40 000 dirhams. Et à cela s'ajouteront les frais d'assurance. Ainsi, nous atteindrons facilement les 80 000 dirhams. Certains professionnels du secteur se sont retrouvés du jour au lendemain obligés d'aller habiter chez leurs beaux-parents ou leurs parents, car ils ne se sentaient plus en mesure de pouvoir honorer le paiement de leur loyer. D'autres sont allés jusqu'à vendre leurs meubles. Et pour survivre, je connais des gens qui ont installé dans leur voiture une cafetière, histoire de monter leur petit projet de café mobile. Le secteur est visiblement à l'agonie. La dépression gagne ces professionnels qui tentent difficilement de survivre. Aujourd'hui, on ne nous a pas encore trouvé de solution radicale. Nous voudrions que le gouvernement nous donne des garanties et qu'il apporte des réponses à nos problèmes économiques et sociaux. En attendant le retour des beaux jours du transport touristique à Marrakech, les professionnels essaient, comme ils peuvent, de tenir bon. Malgré la crise sanitaire et son impact énorme sur l'activité économique, les centres régionaux d'investissement ont contribué à la création de 20 466 nouvelles entreprises en 2020. Première année post-réforme de cette institution, ces centres ont également fourni des services d'accompagnement et de soutien à 18 111 TPME actives ou en cours de création, chiffre rendu public hier à l'occasion de la tenue à Rabat de la quatrième réunion de la commission interministérielle de pilotage de la réforme des centres régionaux d'investissement. On passe à la météo à présent. Averses orageuses localement fortes concernent aujourd'hui et demain samedi plusieurs provinces du Royaume. Ces averses qui atteindront 30 à 50 mm sont attendues pour certaines régions à partir de cet après-midi 15h et se poursuivront jusqu'à demain samedi à 3h dans les provinces d'El Haouz, Azilal, Bni Mellal, Berkane. Sont concernées également les provinces d'El Hajb, El Qalaat Sraghna, Fès, Fqib Nsalah, Gersif, Ifrane, Khmisset, Nador, Sfrous, Stat. Sont concernés également Taourirt et Taza, selon un bulletin spécial de la météorologie nationale. Ces averses seront accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales sous orage. Distribution de questions isothermes au profit des pêcheurs artisanaux de la province de Safi, dédiée à quelques 144 barques de pêche artisanale à raison de 3 questions isothermes par barque. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts qui a procédé à cette distribution à l'Institut des technologies des pêches maritimes à Safi a souligné que ce lot fait partie d'un vaste programme d'équipement des barques artisanales par des caissons isothermes de 70 litres et s'inscrit dans le cadre de la stratégie Aliotis. Au seuil de la mémoire, c'est le titre du premier recueil de poésie publié par la poétesse marocaine Nouria Yemna El-Imani, professeure de français et passionnée de pédagogie et de didactique. L'auteur cultive sa passion pour la littérature depuis de longues années. Reportage Hamza Sayah, Zakaria Mouqin Billah et le commentaire est signé Omeima Ramli. À la recherche d'un peu de liberté, et quand je crois l'avoir trouvée, il fait tout à coup encore plus noir. Interroger le passé et faire revivre ses souvenirs pour mieux préparer l'avenir, tel semble être le défi de la poétesse Nouria Yemna El-Imani.
Dans son recueil, chaque poème ressurgit à l'issue d'un souvenir, laissant libre cours à une créativité sans limite. Revisiter la mémoire, un excellent moyen pour se connaître soi-même. Alors la mémoire, comme je dis souvent, en fait, c'est comme un arrêt. Quand on prend l'autoroute, par exemple, on s'arrête quelque part sur une aire de repos, pas quelque part, mais sur une aire de repos, pour faire le point, pour s'occuper de son moyen de locomotion, pour s'occuper de soi, pour se nourrir, se ressourcer. Des thématiques universelles, l'enfance, la femme, la liberté et la mémoire. De par ses spécificités, le poème est un genre littéraire qui ouvre tous les champs de l'interprétation. Pour l'auteur, la poésie permet de se plonger dans ses émotions, de les accueillir et de les comprendre. La poésie permet déjà de s'explorer soi-même. On explore le monde à travers soi et soi à travers le monde. Et puis c'est intéressant parce que le poème, c'est généralement court et condensé. Donc je pense que c'est un genre puissant et qui ouvre tous les champs du possible. Celui qui rêve, celle qui échappe chaque jour à un destin meilleur, ce qui nage sans relâche dans le bonheur. Enseignante de français langue étrangère à la retraite, Nouria Yamnel Imani veut partager sa passion de littérature avec le grand public. Si ce premier recueil de poésie est édité en dehors de nos frontières en France, les lecteurs marocains peuvent le lire en version numérique sur Internet. Voilà, c'est avec cette page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur El Oulard dans quelques instants. Le journal en espagnol vous sera présenté par Zubaïd El Fethi. Excellent après-midi.